enfin manger un bon de luxe. Il est là! Le Deluxe de retour en Guadeloupe. Voilà, faut venir en Guadeloupe pour avoir un Deluxe quoi. Bravo, bravo. Bon ben voilà, en vacances en Guadeloupe. Et il y a du nouveau sur l'affaire Deluxe. Le Deluxe est de retour ici en Guadeloupe. Il a fallu faire 6000 km pour pouvoir manger un Deluxe. On part à la conquête du Royal Deluxe. Est-ce qu'il va être au rendez-vous? On ne sait pas. Suspense! Des gens cherchent le McDo. On ne sait pas où c'est. Ah, il y a le casino. Casino. Et les petits restos. Nos petits restos du soir. On va vers Pointe-à-Pitre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste le McDo. Ah. Et oui. Il y en a des boss, hein. Ça secoue ici. KFC. Ouais, sinon, on s'arrête au KFC. Hein. C'est tout bien aussi. Hein. Elle a super bien marché. Hein. Pourquoi? Bah, ils ont remis le Deluxe quoi. Bravo. Bravo. Je suis une personne influente. Ah, oui. Tout de suite. La voix du peuple de la communauté Deluxe. Deluxe, Deluxe. On aperçoit le McDo. C'est l'NG qui en a pas, c'est bon. L'affiche quand même. Ah, attends, je vois pas. Ah, attendez. Je vois un double Royal Deluxe. Ça existe ça. Double Royal Deluxe. Ah oui. Une édition limitée en plus. 33. Le normal ou double Royal Deluxe? Normalement, s'il y a normal, je prends normal. Bonsoir. Bonsoir. Je vais prendre un menu double Royal Deluxe, s'il vous plaît. Comme boisson. Je vais prendre un iced tea. Je vais prendre aussi les potatoes. Oui, on peut ça. Et je vais prendre aussi que le sandwich cette fois, un Royal Deluxe, le normal. On peut ça pour vous. Pardon? Le prochain? Non, non, ce sera tout. Ça en fait 14 fois, ça. Ok. Vous avez entendu? Deluxe, Deluxe. Donc voilà, bah c'est officiel. Si vous voulez un Royal Deluxe, par les temps qui courent, il faut venir en Guadeloupe. Il faut faire 8 heures d'avion. Donc au final, ça fait quoi? 1000 euros de luxe, quoi. Voilà. Ça va. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai trop faim. Ça y est, on va avoir enfin ce Deluxe, là. Ouf. Depuis le temps. C'est pas trop tôt. Ah oui, en plus moi j'ai pris le Royal, le double de luxe. J'ai pris. Donc, clairement il est deux fois meilleur. Ma foi, moi je suis fidèle. Hein. Soit. Je reste sur la version originale. Quoi. Non. Merci. Merci. Bonne soirée. Tiens. On va vérifier si y a tout. Surtout si y a le Royal de luxe. Déjà ils écrivent Big Mac sur le sachet là, comme si c'était lui quoi, la star. Franchement n'importe quoi quoi. Maintenant faut qu'on trouve un endroit pour s'arrêter, pour manger tranquille. On va grailler là. Allez là. On veut grailler. Là il y a de la place, mais on peut pas y aller par là. Je peux pas passer par là. Ah putain. Là je peux me mettre là. Tu veux? Mais ouais, bah oui, n'importe. Allez, 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 allez. On va manger, 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 on va manger. Allez. Et là, ça tient. Et voilà. Miracle. Bon, mais allez, là. Découvrez ce qu'on a dans le petit sachet cadeau qu'on a là. Génial.
J'espère qu'il y a tout parce que pas contre vous McDo, mais une fois sur deux, on ne sait pas ce qu'on a commandé. Donc, on sait pas. Si toi il y a une étiquette, c'est peut-être toi, mais je sais pas. Hein. Marqué barbecue. Putain, c'était fou. Potatoes, madame. Des patatoes. Des patatoes. La sauce. La sauce. Hein, on va ouvrir, voir à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Il faut leur montrer aussi le double. Apparemment, ça c'est le double. Je vois pas en quoi c'est double. Je vois pas en quoi c'est doublé non plus. Mais voilà. C'est le prix qui double. Ah, c'est ça. Magnifique quoi. De luxe. Donc maintenant le gel. Faut pas oublier. Oui. Parce qu'on est en temps de Corona. Oui. Coronana. Le virus il prend pas la pause pour le de luxe. Hein. Non, c'est en forêt. Là. Ah, voilà, le gel hydro alcoolo. Donc voilà. Non, mais ça, pas c'est dans la voiture. Quand tu as plus d'alcool, tu bois ton gel. Là. Si tu as soif, tu vois. Ça fait pas le même effet. Hein. Bon voilà, là il y a la pharmacie quoi. Du coup, j'ai la tête verte parce que la pharmacie qui clignote, normal. Pouvoir manger ça tranquille. Mmh. Mmh. Ah si, c'est un double. J'ai deux steaks. Deux steaks. Ah bah, c'est bien. Donc c'est bien double. Non, parce qu'au début, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un seul steak. Mais voilà. Mmh. C'est les meilleures vacances, voilà. Bravo la Guadeloupe, bravo, bravo. Ouais. Moi je dis bravo. Bon par contre, niveau de la recette, c'est pas ça. Hein. Il manque quelque chose là. Oui. D'accord. C'est deux steaks, mais ça change rien. Ah mais mon deluxe original. Ben il est pas original. Ils l'ont remis, mais ils ont pas dit qu'ils remettaient tout. Hein. Ils ont oublié la moutarde là, c'est, je sais pas, bizarre. Non, en fait là c'est un deluxe guadeloupéen, hein. Et il manque la moutarde ou je sais pas, ouais. On dirait un cheeseburger, ouais. Mais qui ressemble à un deluxe, mais un goût de cheeseburger, c'est pas un goût de deluxe quoi. Ouais, je sais pas. On est mitigé là du coup, hein. On est content de l'avoir mais... Du coup, si McDo, vous mettez pas les mêmes recettes partout, c'est bizarre, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait encore? C'est grave, hein? Oh là là. Non, mais oui, il va falloir refaire une vidéo. Il va falloir refaire une vidéo où tu dis rendez-nous le deluxe, mais cette fois-ci avec les bons ingrédients. Bon ben voilà. Bah du coup on vous laisse parce que on va quand même manger mais. Ouais. On va vous éviter le spectacle parce que on va manger comme des gros porcs là. Allez bisous. Bon. Du coup moi je suis mis les potatoes. Saka elle veut plus parler parce que elle a pas du tout aimé son deluxe. Il n'y avait pas la moutarde. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai deux steaks. C'est très bien de changer de deluxe, de faire un double deluxe, mais bon, faut déjà que le deluxe normal soit bien. Avant de commencer à faire des double. Donc voilà, je suis obligé de parler. Parce que Saka n'est pas contente. C'est bien de remettre des deluxe, mais bon, il faut bien les remettre. Hein. Donc là c'est n'importe quoi. Donc on est encore plus en colère. On est déçu. Bah oui, surtout que ça nous a fait une fausse joie là. T'es trop content, on arrive en Guadeloupe, il y a le deluxe, donc on était vraiment chaud. Là, on s'est préparé, on s'est mis bien, devenu, on a fait le McDo à côté. Voilà,
tout content et finalement on repart pas content là. Bon. Voilà, c'est un cadeau empoisonné. Ouais. Nous a dit il y a le Deluxe en fait. C'est même pas un vrai Deluxe en fait. C'est pas un vrai Deluxe. C'est un Deluxe de pacotille. Voilà, c'est pas un Deluxe Deluxe. C'est un Deluxe de merde. Bon alors c'est un Deluxe mais il est pas royal alors. En tout cas, c'est pas un Royal Deluxe, ça. Non, franchement. C'est pas un Royal, c'est le bouffon, là. C'est bouffon de Deluxe. C'est le Royal bouffon, là. C'est le Royal pas bon. Voilà, donc, c'est bon. Hein. C'est bien beau. Bon, donc, du c'est coup, pas du luxe, hein. Donc, du coup, cette histoire, malheureusement, elle n'est pas terminée. C'est pas terminé. Ouais. Alors, déjà, j'étais content. Déjà, Saka, elle n'arrête pas de me parler de son Deluxe, là. Et enfin, je me suis dit qu'il y a le Deluxe. Je suis content. Je me suis dit peut-être que cette histoire va enfin s'arrêter. Eh ben non. Ça va toujours pas s'arrêter. Donc merci McDo. Merci. Merci. Je vais en entendre encore parler et vous allez en entendre parler aussi. Ben ouais. Dans la quête du Deluxe. Le vrai cette fois. Ouais. C'est bon, c'est pour nous faire des sandwichs avec du steak. Non merci. Ouais, voilà, c'est un sandwich. Voilà. Ouais, c'est pas du McDo là. Hein. C'est un sandwich. Moi, si je veux un sandwich, un peu je suis de pain, en face. Hein. Voilà, du pain, la tomate, steak. Ouais. C'est pas un Deluxe, hein. Moi aussi je le fais. Hein. Ah oui, moi aussi. Même meilleur. Ah oui, ça je confirme. Ah, c'est bon. Bon, ben on est déçus. Ouais. On est grave déçus. Donc, du coup, là, tout ça ne serait pas arrivé. Hein. On aurait dû prendre un KFC, comme j'ai dit. Hein. Moi, on ne serait pas déçus. Moi, j'ai dit qu'on s'arrêtait au KFC. Hein. Non, mais non. C'est pas bon, KFC. Ah, c'est aussi bon que McDo, voire meilleur. Au moins, KFC, il y a le Tower. Et ils ne me l'ont pas enlevé entre-temps. Non. Voilà. Des fois, ils font du suspense en mode il n'y a plus de zinger. Ouais, ça. Mais bon, ça, c'est notre histoire. On est obligé d'acheter la sauce à côté et de la mettre nous-mêmes dans le sandwich. Là. Bon. Après ça, encore, il y a. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils enlèvent le zinger en fait. Non, c'est... je comprends pas non plus. T'as Tower original, Tower zinger, et non, mais il n'y a pas zinger, mais tu as juste à mettre la sauce. Ouais. C'est pour qu'on achète la sauce. Bon. Ah, 50 centimes les radins là. Franchement, je sais pas c'est qui les pires, mais non, les pires c'est McDo. Oui. Avec leurs recettes, même pas la même partout. Après là, ils enlèvent, ils mettent, ils enlèvent, c'est bon là. C'est des girouettes. Girouettes. Girouettes, cacahuètes. Du coup là, on marronne, hein. Pas de note de luxe. Voilà, du coup là, on est là, ça va nous cacher les vacances et tout. Du coup, on va aller manger encore là, on va aller manger un bouquet. Ouais. Ou les agoulots, c'est ce qu'on a appris aussi. Bah ouais. Donc au final, les agoulots, bah c'est meilleur que les bouquets. Ouais. On n'aurait pas cru comme ça, mais... Et oui, depuis le temps qu'à chaque fois, on voulait manger les bouquets, on se disait que finalement, on est en Guadeloupe. On va manger les bouquets de Guadeloupe. Eh ben, en arrivant ici, on trouve un sandwich encore mieux. On a trouvé Agoulou. Voilà. Agoulou. C'est le sandwich tellement élégant qu'il le coupe en quatre pour qu'on arrive à le manger. Ben, il est même pas si grand. Ah, il est pas si grand, mais bon. C'est le style. C'est le style. C'est design. C'est pour design. Qu'on puisse le partager. Voilà. C'est le partage. Agoulou partage. Agoulou transmet les valeurs du partage. Bon, bah allez, nous, on va faire autre chose là pour se changer les idées. On va aller à la piscine, je pense. Oui. Très, petite très baignade. Ouais. On va digérer et après on va plonger parce que là. Totalement d'accord avec toi, Saka. Allez. Ciao. Il n'y a même pas de bisous là. Ah. Je suis pas contente. Quand même, je fais un petit bisou.